Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Figma. Dans cette nouvelle vidéo tirée de ma formation complète sur le logiciel, je vous propose un exercice pratique pour venir réaliser un dashboard de zéro, la création des éléments, la mise en place, les styles et bien d'autres choses encore. L'idée étant de vous permettre de pratiquer le logiciel en toute sérénité et de comprendre comment il fonctionne. Si vous avez des questions ou des besoins tutoriels, je serai disponible dans les commentaires juste en dessous. Et si vous voulez plus de tutos, vous pouvez regarder dans les petites fiches qui sont en haut à droite. Si la vidéo vous a plu, un partage, un like, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et moi à continuer de vous proposer du contenu. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Passons donc à notre premier template qui sera tout simplement une page sur laquelle on va pouvoir avoir un dashboard avec différents éléments. On va venir commencer par créer une frame. On va venir chercher ici une frame de desktop. On en a plusieurs de disponibles. Nous, on va rester par exemple ici sur un MacBook Air classique 1280x832. Ça permet d'avoir un format sur lequel on va travailler. Sur cette frame, donc je vais renommer ici projet 1, on va venir donc commencer à faire le wireframe. Ça va nous permettre de poser des bases. Donc pour ce wireframe, j'ai plusieurs petites idées. En l'occurrence, je vais déjà venir ici ajouter un layout grille qui va me permettre de pouvoir venir visualiser ici mon nombre de colonnes que je vais mettre au nombre de 12. Ça me permettra d'avoir une base sur laquelle travailler. On va ensuite venir ajouter nos éléments. Donc là, je vais commencer par venir ajouter un premier bloc qui sera de ce côté-là, qui sera sur, on va dire, deux colonnes. On va même prendre trois colonnes. Comme ça, on en aura après sur le reste 6 pour travailler. 9 pour travailler. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. Donc ça, cet élément ici, ça sera notre base. On va le mettre pour l'instant en gris pour le wireframe, sur lequel on viendra avoir notre menu. On va ensuite venir placer nos différents éléments. On va diviser le tout en plusieurs colonnes et en plusieurs blocs. Donc pour ça, je vais avoir ici tout d'abord une première zone que je vais avoir à cet endroit, qui sera ma zone de header. Je laisse un petit peu d'espace au-dessus. Je vais même mettre un petit repère ici pour me repérer, pour savoir où j'en suis. On va le mettre à peu près à 22 pixels. Ça me plaît bien. Ensuite, donc là je sais que ça sera ma zone header, je vais venir placer les éléments qui seront les suivants. J'aurai ensuite une deuxième partie. Et je vais toujours utiliser ici 22 de différence entre chaque, de façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit adapté. Et surtout, vous voyez que comme ça, on va pouvoir venir les espacer si besoin. Donc ici, on aura un premier menu qui sera plus ou moins grand. Ici, on en aura un deuxième qui contiendra certainement un titre et un autre bloc, mais on voit ça dans quelques instants. Pour l'instant, comme je le disais, je ne pose que des bases. Je vais venir dupliquer ici, toujours avec 22 de différence. Et ici, je vais avoir un bloc qui va être un peu plus grand. Comme vous le verrez après, il contiendra ici, par exemple, nos statistiques de vente et nos chiffres. On aura ensuite une autre partie qui sera ici, encore une fois, un peu plus grande, qui contiendra cette fois certainement des blocs de mise en place pour nos, comment appelle-t-on ça, pour nos statistiques. Et on finira ici par une autre zone qui sera un peu plus petite, mais qui contiendra également eh bien, des informations, pourquoi pas des graphiques ou autres. Donc ça, avec ça, nous avons les bases de ce que l'on veut mettre en place. Maintenant, ces éléments ici, je vais venir les grouper. Je vais ici les appeler blocs, ça me permet d'avoir une première idée. Et je vais les bloquer avec un petit cadenas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'idée ici, c'est juste d'avoir des repères. On va pouvoir venir maintenant poser d'autres repères. En l'occurrence, ici, je sais par exemple que je veux avoir mon logo. Donc, il va apparaître et qui sera dans la première partie. Donc là, je mets un bloc qui sera un peu plus lumineux. Ça me permet de m'y retrouver. Je sais également que, en venant descendre ici un peu plus bas, et je vais me mettre à la moitié de mon bloc. Donc là, normalement, je vais essayer d'avoir à peu près la moitié. Je vais avoir mon menu qui va aller à peu près jusqu'ici. Et je le mettrai en place un petit peu plus tard. Le menu, on va le faire aller jusqu'ici. Et j'aurai par la suite un autre bloc qui sera à la fin, qui sera une sorte de petite publicité ou ce que l'on appelle un CTA, un call to action. Et ainsi, vous voyez que j'ai déjà une première mise en page, un premier prémisse de ce que je vais mettre en place.
On va continuer ici. Donc là, je vais dupliquer mon élément. Je laisse toujours une petite marge. J'aime bien laisser une petite marge au début. Donc on profite de la gouttière pour ça. Et ici, je me rends compte que j'ai oublié de changer la couleur des autres éléments ici, de tous les assombrir. Donc on va venir le faire. Je vais venir sélectionner ici tous mes rectangles et on va les mettre un peu plus foncés encore une fois, histoire qu'on puisse repérer par rapport au reste. Je rebloque et on revient ici. Donc là, je vais avoir un premier élément qui va aller sur 3 colonnes, 4 colonnes, ça me plaît bien, qui va être tout simplement ici une barre de recherche. Ensuite, je vais avoir 4 carrés. Donc ici, ce sera des pictogrammes que l'on va venir retrouver. Et ces pictogrammes, on va mettre ici en 31 sur 31. J'essaie d'avoir quelque chose qui soit un peu adapté en termes de taille. N'hésitez pas à passer par le paramètre à droite. Et donc là, je vais avoir plusieurs pictogrammes que je vais vouloir utiliser. Donc je vais en faire 4. Pour l'instant, je les espace de façon assez importante. Vous voyez qu'il y a 22 pixels entre chaque. Mais en réalité, je vais sélectionner tout ce que j'ai ici. Et je vais venir utiliser ce qu'on a déjà vu, le TDE, pour que tout soit à même distance. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'égal à chaque fois. Enfin, j'aurai une dernière partie qui sera ici un peu plus éloignée et qui permettra d'avoir une partie connexion. Et donc ça, on voit que ça sera donc nos premières parties. On va venir également ici utiliser un outil qui permet de centrer le tout. Je vérifie que tout est centré, ça me plaît pas mal. Dans le même genre d'idée, en dessous, donc je vais venir ici dupliquer. Donc en vrai, ça va peut-être être un peu plus haut que ce que j'avais mis. On va venir ici mettre un texte avec le dashboard. Donc ça sera le nom du dashboard. Et j'aurai à côté, après pas mal d'espace, ici, un autre bloc qui sera sur 3 colonnes. Ici, ça sera certainement un peu plus petit. On va dire que ça va aller jusque-là. C'est juste un texte en l'occurrence. On va passer maintenant sur le bloc d'en dessous, qui lui sera un peu plus important. Bien qu'ici, je l'ai fait un peu trop haut. On va le réduire après. On va venir avoir ici, sur, par exemple, 3 colonnes. Un élément et il y en aura au total 3. Bien sûr, vous pouvez venir l'adapter si vous le souhaitez, c'est-à-dire que si vous en voulez plus, vous pouvez très bien le faire sur 2, dupliquer, et après vous appuyez sur CTRL D qui va répéter la dernière action. Nous 3, ça me paraît plutôt pas mal, ça permet d'avoir quelque chose qui soit assez adapté et surtout d'avoir quelque chose qui prend le nombre de colonnes que l'on a mis en place. Donc là, on voit que sur notre wireframe, j'aurai des choses après à réduire, on reverra un petit peu les espacements. On va revenir ensuite sur la dernière partie qui va être ici, qui va se faire sur 4 colonnes, même 4 colonnes et demie, ça me paraît plutôt pas mal. Et j'en aurai un deuxième qui sera lui-même sur 4 colonnes et demie. Donc là on voit que les deux sont collés, donc ça va permettre de venir ici créer un espace. On va venir le mettre de quelques pixels, donc là on est à 477, je vais venir le réduire de 10 pixels, on va le mettre à hop, 467, et donc l'autre côté pareil. Je le sélectionne, 467, et de cette façon, j'ai un petit espace entre les deux. On va ensuite venir faire notre dernière partie, donc là, je vais venir le mettre ici. On va le mettre sur, on va dire, 5 colonnes, ou même 6, ça me plaît bien. Et le dernier, on va le mettre sur 2. Ça sera quelque chose d'un peu plus petit, mais qui pourrait être utile aussi. Et donc là, on est pas mal, ça me plaît bien. Je vais le mettre sur 3. Hop. Là, on est bien. Maintenant, ce que je peux faire, c'est reprendre mon projet et je peux rendre invisible ici tout simplement mes colonnes. Donc là, on voit notre wireframe. On voit aussi que nos éléments ne sont plus forcément bien alignés. On va avoir quelques petites erreurs, en l'occurrence ici. On va voir par exemple que le menu va peut-être le faire aller jusqu'en haut. Cette partie-là, que j'ai maintenant débloquée, parce que je vais l'ouvrir, on va pouvoir venir la faire en plus petit aussi. Donc je double-clique. On va baisser la taille. Ici, je vais venir baisser la taille aussi. Et on voit que les espacements maintenant sont un peu trop grands. Donc on va retravailler ça. Déjà, dans un premier temps, même si cette partie de bloc là, j'en ai plus forcément besoin, je vais venir grouper ces trois choses. Je vais venir grouper tout ce qui touche à mon header. Cette partie-là, et cette partie-là. Maintenant que j'ai fait ça, eh ben, je vais tout simplement ici demander à ce qu'il soit distribué verticalement de façon équitable. De façon à ce qu'il y ait la même distance entre chaque. Et donc ça va nous permettre de pouvoir avoir nos éléments adaptés. On vérifie ici que c'est bien centré. Ici, je vais venir par contre adapter la taille de mon élément pour qu'il y ait une jointure entre les deux. Ici, là je vais faire la même chose. On va demander à ce que ça soit à peu près la même distance. Et là aussi.
Et avec ça, nous avons notre premier wireframe. Maintenant, l'idée, ça va être de venir réaliser les éléments qu'on va mettre dedans. L'important sera donc notre dashboard. Pour ça, on va utiliser plusieurs petites choses et on va en créer plusieurs. Mais avant ça, il va falloir venir utiliser un plugin. Il y a plusieurs plugins qui existent. Moi, personnellement, j'utilise celui qui s'appelle Icon 8. On va l'ouvrir tout de suite. Qui permet de venir récupérer des icônes au format PNG ou, si vous payez, en SVG. Là, pour notre exemple, le PNG sera largement suffisant pour venir travailler, sachant que, comme vous le voyez, on peut venir définir les couleurs dont on a besoin. Et vous avez en plus différents types de glyphes, différents types de possibilités qui vous sont offertes. Donc, autant l'utiliser. On attaquera ça dans la prochaine vidéo. Moi, je vous laisse déjà mettre en place ce petit wireframe. Alors, vous vous doutez bien que j'avais un modèle, hein, que je n'ai pas sorti ça de ma tête, il y a eu de la réflexion avant. Mais là, au moins, vous avez l'idée de comment réaliser cela. Pour info, si vous recherchez le modèle, le voici, hein, c'est un modèle qui est gratuit et qui est donc disponible, c'est celui de Peter Drew. Donc on va essayer de reproduire ce genre de choses, hein, mais pour l'idée, je le mets de côté parce qu'il ne faut pas ici faire un copier-coller directement. Et surtout, l'objectif, ce n'est pas de venir décalquer, c'est de venir retravailler et comprendre un petit peu la logique des choses. Donc voilà, on va attaquer maintenant à la partie numéro 2, c'est-à-dire la création graphique. Passons maintenant à la suite. Pour cela, nous allons venir enregistrer ce que l'on appelle des styles. On les retrouve également dans Asset, vous verrez un petit peu plus tard, mais le principe est relativement simple. Il va permettre de pouvoir définir des éléments et ainsi pouvoir les placer et les utiliser. On va voir également comment c'est mettre en place les différentes parties de notre site. Alors, pour ma part, la première chose que je vais mettre en place ici, c'est déjà un bloc de couleurs de fond qui va aller de cette partie du site jusqu'au bout. Cette partie-là, on va venir la mettre tout en dessous. Donc là, je vais venir ici faire un CTRL-G et on va venir mettre le rectangle en dessous. Ça sera un rectangle qui sera un peu clair, comme ceci. Et de l'autre côté, on aura donc la partie blanche qui représentera notre menu. On peut venir également, plutôt que d'avoir juste ici une couleur un peu grise, donner un ton un peu bleuté, avoir quelque chose qui soit légèrement teinté dans les gris. Vous pouvez également le voir dans les violets ou autres, c'est vous qui décidez de la teinte que vous souhaitez. L'idée étant d'avoir quelque chose de relativement léger pour que ça ne soit pas totalement lumineux. On va ensuite avoir ici donc notre partie wireframe et plus particulièrement ces éléments. Je vais les resserrer un petit peu pour avoir une marge, hein, qu'ils ne soient pas collés totalement au bord. On va pouvoir bloquer maintenant nos différentes parties. En l'occurrence ici, le wireframe. Voilà. Et le bloc en dessous qui est donc déjà caché. De cette façon, on va pouvoir travailler efficacement maintenant sur nos deux parties. Je vais commencer dans cette vidéo par la partie menu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la plus rapide et la plus simple à faire. Ici, on va venir dans cette partie-là, dans ce bloc, intégrer un logo. Alors, je n'ai pas forcément d'idée de logo à première vue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un logo rapidement avec un nom. On va l'appeler tuto. Et c'est ici apprendre figure. Donc, on va l'écrire en deux textes différents, parce qu'on aura deux parties. On va venir le mettre dans un texte qui sera ici du black. On va le mettre un peu plus gros. Voilà, et puis on aura donc ici notre nom de site. On va venir le coller au bord, comme ceci, et en haut aussi. En dessous, on aura notre baseline, donc ça sera tout simplement ici, très simplement, apprendre Figma. On va sélectionner nos éléments. On va venir baisser un peu en médium. On va venir baisser la taille ici. Voilà, et on va même le mettre dans une autre couleur. On va mettre ici par exemple en gris pour avoir notre baseline. Alors là, il me dit que j'ai fait une faute parce qu'il pense qu'on est en anglais. Donc pas d'inquiétude si des fois vous avez le soulignement. Ce n'est pas parce que vous avez fait une faute. Et donc là, on aura notre logo. On pourra bien sûr venir l'agrandir si on le souhaite. Hein. Vous pouvez toujours venir sélectionner les éléments, augmenter les tailles et autres. Et là, je vais même venir le centrer tout simplement dans le bloc. Je fais un CTRL-G. Pour avoir le tout au même endroit, ça sera texte, logo, et comme ça, on pourra le retrouver. En dessous, on va avoir notre menu. Donc là, je vais venir faire le premier élément. On va faire
accueil. On va venir le mettre ici, toujours en noir, mais on va venir le mettre non pas en black, mais en semi-bolt, parce que ça me plaît bien. Et on va pas prendre du noir pur, on va reprendre aussi du gris. Et baisser la taille. Donc là, on va se mettre par exemple à 12. 12, ça me plaît bien. Je suis pas forcément un grand fan de l'inter parce qu'il y a un peu trop de distance entre les lettres. Donc on va voir si j'en prends pas une autre. Par exemple, je vais prendre quelque chose que j'aime assez régulièrement utiliser, qui est tout simplement de la Roboto, et plus particulièrement ici en condensé et en médium. Une fois que j'ai cet élément-là, qui est donc mon texte, qu'on va mettre donc en gris foncé, voilà, je vais venir enregistrer le style pour pouvoir le réutiliser un petit peu plus tard et ne pas avoir besoin à chaque fois de recommencer et de venir eh bien, remettre exactement mon texte à chaque fois. Pour ce faire, vous avez ici des petits points qui s'appellent style. Donc là, nous, on va créer un nouveau texte style qui sera ici menu. On l'enregistre et on crée le style. De cette façon, vous le retrouverez dans votre exploration de librairie. Vous le retrouverez également à chaque fois que vous allez venir cliquer sur le petit bouton de liaison quand vous allez créer un nouveau texte. Donc là, nous, on va avoir accueil. On va venir ici le décaler un petit peu, parce qu'après on viendra ajouter des pictos. Et puis on va venir décaler, toujours de 22, comme ça j'ai toujours le même écart, nos différentes parties. J'ai appuyé sur Alt pour décaler, et maintenant à chaque fois que je vais faire un CTRL D, il va me faire les parties suivantes. Alors bien sûr, à vous de définir ce que vous voulez. Ça pourrait par exemple être ici les ventes. Voilà. On pourrait avoir les statistiques. On pourrait avoir ici le prix. On pourra avoir le stock, etc., etc. À vous de définir les différents noms, les différentes choses que vous voulez mettre en place. Là, on aurait, je ne sais pas, par exemple, les promotions. On aurait About House. On aurait Livraison. Bon, je mets des choses un peu au pif, hein, c'est juste pour l'idée. Test. Et là, on va laisser un autre accueil. Maintenant qu'on a ces éléments, ce qui peut être intéressant aussi, ça va être de leur ajouter des petits pictogrammes. Donc pour ça, on va venir utiliser un plugin dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se trouve être Icon 8. Icon 8, nous on va venir utiliser des plugins, des illustrations et des pictogrammes assez classiques, hein. Vous avez par exemple ceux de iOS qui sont disponibles et on va venir les prendre en gris ou en noir suivant les besoins. Donc là on va plutôt prendre en noir et on va venir ajouter des petits pictos suivant ce que l'on a besoin. Par exemple pour le premier, on est sur une maison, on est sur l'accueil, donc on va venir taper home et on va voir ce qu'il nous propose. Et on a plein de petites maisons. Et ainsi, je peux venir cliquer, ajouter mon pictogramme, l'adapter en termes de taille. On va le mettre ici en 21-21 et on peut le mettre à côté de notre page d'accueil. Et de cette façon, on aura notre premier picto. On va vouloir ici avoir un vente. Si je mets vente, on va voir ce qu'il me propose. On fait une recherche. On peut avoir un sales. Voilà, qui va être ici. Donc faites bien attention. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est venir dupliquer vos éléments, comme d'habitude. Donc comme ça, on a un petit picto à chaque fois. Et là, vous allez cliquer sur sales. Vous allez venir remodifier la taille pour qu'il s'adapte. On a dit 26, 26 ou 21, 21. Et donc, on viendra remodifier ainsi s'il faut. Vous restez appuyé sur Shift et sur Alt, et donc là on a notre picto. Statistiques, on va venir taper statistiques. Donc vous voyez que ça va assez vite et ça permet de pouvoir venir très rapidement mettre en place des éléments, des pictos et un menu. Une fois que cela est fait, on attaque le suivant. Donc là ça peut être Price. Hop, on va avoir ici un petit picto. Donc ça, c'est les parties qui vont être le plus long, entre guillemets, hein, de venir chercher différents types de pictogrammes, de les mettre en place et de les utiliser. À vous de le préparer en amont. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez long, hein, on ne va pas se mentir sur la partie création d'interface, c'est de trouver les différents assets en plus de la mise en page. Donc là, vous voyez que personnellement, j'ai quelques petites idées et quelques petites choses que j'utilise. Mais c'est à vous ensuite de venir l'adapter à vos projets. Ça sera toujours très long de toute façon cette partie-là. Ce que je vais faire pour que la vidéo ne dure pas des heures, c'est que sur les parties
qui vont continuer à être un peu répétitifs, je les accélérerai. Comme ça, vous aurez toutes les informations pour aller un peu plus vite. Et surtout pour que vous n'ayez pas de parties redondantes comme je suis en train de le faire là. Et ainsi, vous aurez directement les infos. Donc là, je vais finaliser les 4 en accéléré. Et ensuite, on attaquera à la suite de notre menu. On va maintenant donc pouvoir venir supprimer certaines parties de nos blocs de fond pour que ce soit déjà un peu plus visuel et qu'on comprenne un petit peu mieux ce qu'on a mis en place. On va regarder ça tout de suite. Donc je reviens ici dans ma partie wireframe et je vais pouvoir venir sélectionner mes deux éléments ici et venir les cacher. Donc j'ai celui-ci et celui-ci. Et donc là on voit que notre menu commence à se mettre en place tout doucement. Bien sûr. Une fois que j'ai fini, je rebloque. Et là, ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est venir placer un petit peu mieux mes pictos. Créer peut-être un petit peu plus d'espace entre chaque. On va venir également vérifier que tous nos pictos ici sont bien alignés sur le côté gauche. On va l'aligner avec ce groupe également. Comme ça, tout est en place. Ce qu'on va faire, c'est aussi ajouter tout simplement maintenant un petit élément à notre fond. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais prendre un bloc de couleur. Donc là, rectangulaire, on va venir le mettre derrière ici notre page, ou plutôt notre bouton d'accueil. Je vais l'arrondir un petit peu pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Et en termes de couleur, on peut prendre ici par exemple un bleu, qui sera la couleur principale de notre site. Ce rectangle, je le mets sous mon menu. Et ainsi, et ben là, je vais venir sélectionner l'accueil à cet endroit. On va venir le mettre en bleu également. Donc là, on va mettre un bleu un peu plus foncé pour donner ici un peu de contraste. On va le placer un petit peu mieux parce que là, il est un peu grand. On va venir l'agrandir comme ceci. Je vais le descendre un peu. Je vais essayer d'avoir quelque chose qui me convienne plutôt bien. Là, il est un peu grand aussi. Et surtout 10, c'est peut-être un peu trop. Et donc ainsi, et je vais placer mon bloc pour avoir un fond sur notre mot qui est sélectionné. Alors là, le bleu, il est un peu trop foncé. On va peut-être prendre justement un bleu un peu plus bleu, comme ceci. Et ce qu'on va changer, ça va être également la couleur de la maison. Alors, si vous l'aviez fait et si vous l'aviez en PNG, malheureusement, il faudra aller en rechercher une. Par contre, si vous l'avez fait en vectoriel ou vous l'avez téléchargé, vous pourrez reprendre la même et la modifier. Nous, on va juste venir ici, donc prendre du bleu. Je vais essayer d'avoir un bleu qui corresponde à celui que j'ai choisi à côté. Bon, on va prendre celui-ci, c'est pas grave, il sera un peu plus clair, on adaptera. Voilà, et puis bah, du coup, je vais remplacer ma petite maison par celle-ci. On va venir remplacer et remettre la taille comme on l'était à 22. 22, pas 16. Voilà. Et donc là, en termes de couleur, et bon, on va venir rechercher la même. L'avantage, c'est qu'ici, on a une petite pipette qui permet d'aller sélectionner la couleur d'à côté. Et comme ça, vous voyez qu'on peut mettre en place notre élément. Je vais juste venir réduire un petit peu encore la hauteur pour avoir quelque chose qui me plaise bien. Et donc l'avantage maintenant, c'est que bah, si jamais on veut avoir un autre bloc, on pourra venir le changer à tout moment. Je me rends compte aussi que je pense que les noms seront mieux en gras, ce qui n'est pas le cas ici. Alors on peut changer du coup le menu qu'on a déjà fait, hein, que vous avez ici. Vous venez cliquer sur menu, vous avez les paramétrages. Et donc là, je vais demander à ce que tout passe en bolt. Et automatiquement, tout passe en bolt. Et donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Je trouve que tout est un peu trop collé sur le bord. Donc je vais sélectionner le tout et je vais décaler un petit peu. Donc là, on appuie sur la touche Shift pour décaler 10 en 10. Et avoir une marge un peu plus importante. Et on va venir faire un petit élément graphique qui est plutôt sympa. C'est une petite ligne qu'on va venir mettre ici au bord. De la même taille que notre bloc. On va venir choisir la même couleur, donc c'est le bleu qui est ici. Et d'ailleurs ce bleu je l'ajouterai certainement dans les styles. Et on va juste venir, non pas le mettre à 10, mais à 2 ou 3. Et ça montre que c'est celui-ci qui est sélectionné. Et vous connaissez le principe aussi, on peut venir arrondir en haut et en bas. Et comme ça on sait quelle ligne est sélectionnée. On va finaliser maintenant avec un petit pictogramme en bas. Donc on va reprendre cette fois directement notre wireframe. Il est déjà présent, donc autant l'utiliser. Je vais le sortir de mon élément.
Je vais en profiter également à tout ce qui est là, je vais le grouper. Ça sera menu. Comme ça, on les retrouve facilement. Et donc ce rectangle, eh bien, je vais venir reprendre la couleur que l'on a utilisée un petit peu plus haut. Donc on change chaque couleur avec la pipette. Voilà. On va venir l'arrondir un petit peu. C'est toujours mieux. Voilà. Et on va venir tout simplement, eh bien, y ajouter des informations. Donc on pourrait très bien avoir ici un texte. Je vais faire un bloc de texte ici. On peut venir donc ajouter du texte avec du lorem ipsum. Pour ça, vous avez des plugins qui permettent de le faire. Sinon, vous pouvez créer votre propre faux texte en faisant un copier-coller. À vous de décider suivant ce que vous préférez. Donc voilà. Moi, je vais aller récupérer du lorem ipsum sur un site qui s'appelle lorem ipsum, tout simplement, qui permet d'en générer. On génère ici des paragraphes et moi, je vais juste prendre une ligne que je vais pouvoir venir coller dans mon bloc de texte. Bloc de texte qui a disparu bien sûr parce que j'ai été trop vite. Et donc petit bloc de texte ici, je le colle. En termes de paramétrage ici, on va plus être sur menu, on va être sur quelque chose que l'on veut être du régular. On veut quelque chose qui soit en 12, un peu plus long en ce qui concerne le bloc, parce que là il est un peu petit. Donc on veut vraiment une ou deux lignes. On va venir ici réduire également la taille. Donc là on a juste nos deux lignes. Et on va venir ajouter, pourquoi pas, un petit pictogramme sur le côté. On est sur toujours Icon 8, que j'apprécie encore une fois assez particulièrement. On va venir utiliser ici un métier. On va voir ce qu'il nous propose comme métier. Alors, on va voir dans Hall. Donc on va mettre banque. Qu'est-ce qu'on nous propose comme banque? Voilà. Bon, celui-ci est pas mal en mode emoji. Comme ça, on vient. Alors forcément il s'est mis dans le mauvais bloc. On le supprime. Celui-ci on le remet là. Je recolle mon emoji. S'il veut bien. Alors forcément il n'a pas l'air de vouloir. Donc là si je le colle il se met directement dans mon rectangle. Je vais refaire une forme directement. Voilà. Et comme ça on le colle dedans. Et on va enlever juste le fond pour avoir le picto. Et à côté de ça, à côté de ce petit picto que je vais pouvoir venir agrandir suivant mes besoins, on va faire un petit ce qu'on appelle un CTA. Donc c'est-à-dire que je vais reprendre ici un principe de rectangle blanc. On va venir l'arrondir un petit peu. C'est toujours plus sympa. On va le mettre à 5. On le met en blanc. On peut venir le remonter un petit peu. Comme ça je descends un petit peu ce texte aussi. Ça, on peut le remonter un peu entre les deux. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop mal. Et puis, dans notre bloc ici, on peut ajouter un texte, par exemple, qui serait cliqué ici. Voilà. On le place dedans. Et on a notre petit CTA. On sélectionne nos deux éléments, outils d'alignement, centré verticalement et horizontalement. Là, cette partie-là, on reviendra dessus un peu plus tard. Je pense qu'on la réutilisera. Pareil pour le apprendre Figma, ça nous resservira un peu plus tard en termes de style. Et donc là, on va le mettre non pas en régular, mais en médium. On va le laisser en 12. Par contre, on va venir tout mettre en majuscule. Donc là, on peut venir décider que tout soit en majuscule. Et on le recentre. Et ainsi, bah, vous voyez qu'on a rapidement terminé notre premier menu. On sélectionne ici pour notre bloc pub. On l'appelle pub. Les éléments qui sont là, je vais tout sélectionner et tout mettre sur la partie gauche. Et ainsi, eh ben on a fini notre première partie de site. On va pouvoir passer maintenant à la prochaine vidéo qui présentera la mise en place de la partie centrale. Passons maintenant à la suite de notre petite interface. On a fait la partie de gauche, on va maintenant s'attaquer à la partie qui va être ici le header. Comment cela va-t-il fonctionner? Ben déjà, je vais venir remplacer ici la partie qui est en haut par un fond blanc. Pourquoi? Tout simplement parce que ça correspondra plus à notre fonction de recherche. Et je vais venir arrondir ici de 5 pixels à peu près, de 5 degrés, notre barre. On va également, et comme ça je gagnerai du temps aussi par la suite, tout de suite passer tous les autres éléments qui doivent être en blanc et qui auront également des contours, eh bien en blanc. Comme ça au moins ça sera fait. Et je sais que tout cela, par la suite, je les veux en blanc. Et je veux qu'ils aient aussi, hop, non pas 10,
mais 5 pixels d'arrondi. Comme ça, au moins, tout est déjà prêt. On aura tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler efficacement. On va également faire la même chose sur celui-ci. Donc, on met à 5 et on vient mettre tout de suite en blanc. Ça nous fera gagner du temps pour la suite. On va ensuite avoir donc les parties qui vont être ici en gris à paramétrer et on va également avoir la partie qui est ici. Pour la partie qui est ici, ça va être assez simple. Je vais reprendre ce que j'ai fait ici pour le logo. Je vais appuyer sur Alt pour le dupliquer. Et on va juste renommer. Donc là, on aura par exemple ici Dashboard. On va venir l'écrire non pas en 32, mais ici en 24. Donc un petit peu plus petit. Et on garde la baseline ici en gris. Ce qui fait que je peux supprimer ce fond gris ou du moins le rendre invisible. De cette façon, on pourra venir travailler efficacement. Donc là, je vais juste, par contre, deux fois copier le texte, histoire qu'on ait quelque chose d'un peu plus grand pour visualiser. Et donc là, ça me plaît plutôt bien. Et je vais en profiter également, je vais dupliquer cette partie-là, ici. Je vais la mettre dans mon groupe. Et on va venir ici, tout simplement, dans la partie, donc, qui est à cet endroit, juste mettre recherche. Ce sera très bien. J'allais chercher un mot spécifique à mettre, mais recherche convient très très bien. On va venir également ajouter un petit picto. Donc pour ça, je vais reprendre le petit carré qui est là, je vais le dupliquer. Vous connaissez le principe maintenant, on a déjà vu ça un petit peu plus tôt. Moi je vais prendre Iconate pour aller plus vite, mais vous pouvez prendre bien sûr ce que vous souhaitez. Et donc nous on va prendre en gris et on va venir prendre ici une petite loupe. Vous choisissez celle que vous voulez. Ça permettra de pouvoir venir l'intégrer. Alors là normalement il est possible qu'il m'ait intégré. Eh ben il n'a pas voulu, non, il me l'a mis là. On va venir sélectionner, je double-clique, je fais un petit suppression de celui-ci, du coup, qui ne m'intéresse plus. CTRL-V, on va récupérer la petite loupe qu'on avait là, et on va venir réduire sa taille. On va venir la placer au bout, ça permet de comprendre qu'ici on est sur une fonctionnalité de recherche. Et puis, si jamais vous voyez que là c'est un PNG, on l'a fait trop visible, vous avez juste à baisser l'opacité, hein, ça permettra de pouvoir venir modifier. Ici, le niveau de gris. Une fois que cela est fait, ici, je vais avoir 4 carrés. Donc, ces 4 carrés, on va les sélectionner tout de suite. Je vais leur mettre aussi 5 degrés d'arrondi. Et on va venir leur mettre chacun une couleur. Donc, on en a un, par exemple, ici, qui sera certainement en turquoise, ou un petit cas, en tout cas le bleu qu'on a utilisé un petit peu plus tôt. On va le mettre même un peu plus clair. Le deuxième, on va le mettre dans une autre teinte qui sera, elle, plutôt orientée violet. Vous voyez que je prends le même teinte de bleu, mais par contre, je vais venir ici dans une teinte rose ou violette. Ici, pareil, on va venir prendre le violet qu'on avait juste avant, mais on va le prendre dans une teinte de vert. Et puis ici, hop, on va revenir prendre, pareil, le même violet ou le même vert, et cette fois dans une teinte de rouge. Ça permet juste d'avoir quelques couleurs. Je sais que normalement c'est pas recommandé d'avoir autant de couleurs, mais c'est juste pour montrer un petit peu comment on peut gagner du temps sur tout ça. Et je vais en profiter également, je vais rajouter un élément graphique que j'avais oublié un petit peu plus tôt. C'est juste une séparation ici qui sera en gris et qu'on viendra mettre donc entre nos deux éléments. Donc là je ne l'ai pas déplacé, voilà. Et donc cette barre, on va venir la mettre ici dans un niveau de gris comme ceci pour créer une séparation entre chaque bloc. On va maintenant venir ajouter des pictogrammes. Pour ne pas y passer non plus trop de temps, je vais venir tout simplement prendre des pictogrammes qu'on a déjà fait. Moi, je vous recommande ici de venir en choisir d'autres, hein, c'est juste parce que sinon, on va être relativement long sur cette partie-là. Vous connaissez le principe, hein, on va juste venir ajouter les pictos. Alors là, on voit que les pictos ne sont pas forcément des bonnes couleurs. Je vous recommande d'aller chercher les couleurs adaptées si besoin. Si jamais vous vous retrouvez un petit peu comme ici avec une couleur qui n'est pas la bonne, vous pouvez toujours venir essayer de venir jouer avec les options de contraste et autres. Je ne vais pas vous mentir ici sur ce type d'éléments, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, peut-être qu'en venant jouer ici en overlay, vous voyez qu'on est sur des éléments noirs. Et si je viens donc à chaque fois tout passer en overlay, ils vont prendre la couleur du fond. Donc ça peut être adapté, ça peut être pas mal. Ici, on va maintenant travailler cette partie-là. Pour cette partie-là, ce que je veux, c'est qu'il y ait donc un petit texte. Je ne vais pas vous mentir, on va reprendre ici celui qui est déjà là. Ça permet de gagner un peu de temps. Et ça sera, par exemple, bonjour. Et puis, vu que moi je suis Olivier, on va marquer Olivier. On va venir le mettre ici en un peu plus gras. Donc, on vient ici se mettre en bold, voire même
en black pour que ça soit vraiment beaucoup plus visible. Et puis en termes de couleur, ici, on peut venir mettre ça en noir. Comme ça, on a les deux éléments et puis on a le nom qui ressort. Et juste à côté, je vais venir faire un petit cercle. Donc pour ça, vous avez vos outils de forme que vous connaissez. Et je viens ici designer un cercle de la largeur de mon fond. Et donc ce cercle me permettra de venir intégrer par exemple une photo. Donc là, je vais juste venir redéplacer mon nom pour qu'il se rapproche un petit peu. Et puis dans la photo, et bien vous allez pouvoir venir intégrer celle que vous souhaitez. Je vais intégrer ici une photo qui n'a rien à voir, hein, parce que j'ai pas forcément de photo disponible tout de suite de moi, puis j'ai pas forcément envie de vous les passer dans les fichiers sources. Mais pour un des prochains exercices, j'ai des photos d'acteurs. Donc on va prendre par exemple celle de Oscar Isaac. On va pouvoir venir donc la sélectionner. Et ici, on peut venir la coller dedans. Et de cette façon, on a notre petite icône qui est disponible. On continue maintenant dans le même ordre d'idées. Là, pour gagner du temps, je vais venir récupérer juste le picto que j'avais fait là avec le fond de couleur. Donc, vous pouvez récupérer juste le picto, mais aussi le carré. Donc, pour ça, il va falloir que j'aille le rechercher, parce que là, vous voyez que malheureusement, je n'ai pas bien rempli mes lignes. Et donc, si on remplit pas bien les lignes, et bien, comme vous voyez, ça devient un peu plus compliqué pour sélectionner les éléments. Donc là, on récupère ces quatre-là. Je vais les sortir de menu pour pouvoir les réutiliser plus facilement. Ici, je vais avoir donc mes carrés qui doivent être en dessous. Alors, je ne sais pas dans lequel ils se sont mis, malheureusement. Donc voilà. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus simple à sélectionner. Et donc, ils se sont mis dans wireframe. Forcément, je les avais tout à l'heure. Et je vais les mettre au-dessus. Comme ça, j'ai tous mes éléments et je peux même sélectionner le tout et avec un CTRL-G faire ici mes pictos. Alors, je pourrais même en faire ici des variantes hein, si je veux les réutiliser. Pour le coup, normalement, c'est pas censé être toujours les mêmes pictos, donc on va pas les réutiliser toujours de la même façon. Mais là, je vais prendre par exemple mon picto qui va être le bleu avec le bleu. J'appuie sur CTRL pour sélectionner les deux. Petit CTRL-G. Là, je fais un petit CTRL-G aussi. Comme ça me permet d'avoir les bons groupes à chaque fois et les bons éléments. Et puis voilà, je vais pouvoir prendre mon picto bleu et ici je vais venir le remettre dans mon petit élément d'interface. Ici je vais venir agrandir un peu. Voilà, je trouvais que c'était pas assez grand. Des fois on va jouer un petit peu avec les règles hein, pour agrandir les choses. Et puis eh bien, je vais reprendre tout simplement ce qu'on avait écrit ici. On va venir juste mettre à prendre Figma, pas besoin d'avoir les deux. Vous voyez qu'ici, pour garder le même style, hein, je gagne du temps en faisant des copier-coller. C'est pas forcément la meilleure des techniques. Hein. Vous pouvez utiliser bien sûr des styles. Vous pouvez venir travailler efficacement aussi en venant utiliser des variables et autres éléments. Ce qui n'est pas forcément le cas de ce que j'ai utilisé ici. Donc là, ça serait filtre recherche. Et donc là, ici, on le mettrait un petit peu plus gras également. Donc là, on est en médium. Je vais passer en bold. Et puis, on va juste venir tricher un petit peu. C'est-à-dire que je vais venir mettre une flèche. Alors, plusieurs possibilités pour mettre des flèches. Vous pouvez les créer vous-même. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez aussi la partie qui s'appelle juste arrow. Et si vous la faites très très petite, vous voyez que vous avez directement votre flèche. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, donc augmenter la taille pour avoir votre flèche. On vient se mettre ici en gris. Je vais zoomer un petit peu. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, je veux que ma flèche ici, elle soit au minimum. Je veux pas le petit bout qui dépasse. Et si jamais ça dépasse, bah, c'est quand même moins bien. Donc là, on a directement notre flèche. Et vous voyez que j'ai une hauteur de 1 qui me permet d'avoir ma flèche. Et donc là, on a deux parties maintenant de notre site qui sont prêtes. Toute la partie du header qui va être ici et la partie en dessous. Donc moi ce que je vais faire c'est que bah, ces éléments qui vont donc être texte ici et la partie qui est là que je vais remonter, un peu cachée, que je vais sortir de wireframe, on va venir la mettre au-dessus aussi. Toute la partie texte logo, je vais la ressortir également. Donc voilà, là j'ai donc le picto aussi qui est passé en dessous parce que il se trouve dans ce groupe 3 je présume. Voilà. Donc là, on va juste venir réadapter. C'est là un petit travail de recherche parce que j'ai été un peu trop vite, forcément, et j'aime bien quand même que les choses soient rangées. Donc le groupe 3, on va le mettre en dessous recherché. Le texte logo va se mettre au-dessus.
Voilà. Et celui-ci, eh ben on va le mettre au-dessus aussi, parce qu'il n'est pas au bon endroit. Vu que c'était une duplication. Et on a toujours un petit souci avec notre groupe 3. On a notre picto qui est celui-ci, qui est donc là, qu'on va aussi remettre au-dessus. Et ainsi, on aura nos différents éléments. Là, je vais juste bloquer mon fond pour qu'il arrête d'être sélectionné. Et donc là, on aura tous nos éléments qu'on va pouvoir venir sélectionner, ici, qui vont pouvoir être regroupés. Je vais bloquer le wireframe pour pas qu'il soit sélectionné. Et là, je vais pouvoir faire un CTRL-G. Ça sera mon header. Et je vérifie juste que j'ai bien tout dedans. Il me manque juste une barre, qui est cette barre-là, qui est aussi dans wireframe, forcément. J'ai oublié de la remonter tout à l'heure. Donc, on va la remettre dans header. On va vérifier qu'elle est bien au bon endroit, c'est-à-dire sous la fonction de recherche. Et donc là, on est plutôt pas mal. J'ai juste une partie du texte qui a disparu, forcément, parce que lui-même n'était pas au bon endroit, et que le texte doit être au-dessus. Et comme ça, cette fois, on peut re-rendre visibles tous nos éléments, notre groupe 2 et autres. Et on est un petit peu mieux rangé. Donc on a groupe 3 ici, qui sert plus à grand-chose parce que je l'ai caché. On a texte logo qui lui reste en haut. Ce groupe 3 qui va être dans la partie ici header également. Et donc ainsi, on va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler et avoir nos éléments qui sont rangés. C'est un petit peu chiant, excusez-moi l'expression, de classer tout ça, mais ça permettra de pouvoir s'y retrouver un peu plus facilement par la suite. Donc je vous recommande de le faire. Je sais que c'est quelque chose que je ne montre pas en général en tuto, parce que c'est pas la partie la plus fun, mais c'est important de le faire quand même. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine partie, qui sera certainement la dernière, dans laquelle on va remplir les catégories restantes, et ainsi on aura fini notre première interface. Passons maintenant donc à la troisième partie qui va être les différents dashboards de notre dossier ou de notre interface. On va commencer ici par les dashboards qui sont en haut parce que la mise en page va être relativement la même à chaque fois. C'est-à-dire que je vais venir prendre ici une ellipse et je viendrai y placer une icône. Comme ça, j'ai mon icône numéro 1. Elle est bien centrée, ça me paraît pas mal. Alors ce que je vais faire également, hein, c'est que le groupe ici, je vais le sortir et le mettre tout en haut, tout simplement parce que c'est sur celui-ci qu'on va travailler maintenant. On va donc avoir ici notre ellipse au-dessus, et là, on aura notre base dans laquelle on va travailler. Cette ellipse, je vais la dupliquer, tout simplement parce que, bah, elle va tout simplement apparaître à chaque fois dans chacune des parties. Alors là, on peut regarder à combien on est en termes de distance, ici, et on voit qu'on n'a pas du tout la même à côté. Donc, on va essayer d'avoir quelque chose qui soit adapté. Pour être sûr d'avoir exactement la même, vous pouvez bien sûr regarder la différence entre chaque bord. Et bien sûr, si besoin, vous pouvez également tricher un petit peu. Vous faites une petite ligne, parce que là, le repère n'apparaît pas forcément. Je vois que c'est 33, je décale. Ici, je le mets à 33 aussi. Et comme ça, j'ai le même déplacement, le même emplacement, dirons-nous. Et là, pareil, on a juste à sélectionner, on duplique en restant appuyé sur Alt, et ainsi on a notre petit raccord. Alors, ça, c'est une technique un peu de sioux, on n'utilise pas forcément toujours ça, mais j'aurais pu d'ailleurs faire directement un composant avec le tout. Mais pour aller aussi vite, là, j'ai fait le premier. Après, je vais juste venir reprendre ici mon outil de texte, je vais faire un CTRL-C, me mettre ici et faire un CTRL-V. Ça va tout simplement être, avec cette même type de données, les chiffres que l'on va utiliser. Par exemple, ça va être 75. Ici, ça peut être toujours avec 12 de différence, 360, 350. Et ici, pareil, je reste appuyé. Et on voit qu'on a bien le repère ici qui est présent avec 12. Et par exemple, ici, on serait à 125 euros. Et donc là, on a nos données chiffrées. Pour la donnée qui est encore en dessous, je reprends le même style. Alors, encore une fois, je rappelle que le style, vous pourriez aussi bien l'enregistrer ici. Ça serait style, ça serait texte. On va l'appeler, et donc ça voudrait dire que même si je viens maintenant écrire un paragraphe ici, et eh bien si je définis qu'il est en texte P, il reprendra les mêmes valeurs. Donc là par exemple, ça serait vente. On vérifie bien que on s'est mis au bon endroit. Je le remonte ici, il était passé en dessous, et donc là, le texte P, on vérifie qu'on a bien soit l'un soit l'autre. Là, je vois que il n'a pas bien enregistré celui que je voulais, parce que celui que je voulais être P, c'était celui-ci. Donc, on va briser et remettre le tout. On vérifie donc texte P. Normalement, c'est bon. Alors, je ne sais pas pourquoi ici
il ne l'a pas pris en compte. On sélectionne, on enlève, on vérifie bien que on est en texte P. Et donc là, bah, apparemment pour lui c'est bon, alors que pas du tout. Et bah on va changer juste la couleur qui devra être ici plutôt du gris, qui correspondra plus à ce qui m'intéresse. Et puis pour gagner du temps, je vais refaire la même chose à chaque fois, hein. Donc là, on vérifie bien que nos éléments sont alignés. Ici, on va venir l'aligner également. De cette façon, on aura toujours des choses qui seront viables en termes de placement. C'est important d'avoir un placement adéquat. Et puis, bien sûr, en dessous, on peut avoir encore d'autres informations. Donc, on pourrait très bien avoir une deuxième ligne. On pourrait avoir des informations un peu plus poussées ou autres. C'est à vous de décider. Ça, je ne rentre pas dans les détails forcément. Ici, je vérifie juste qu'on est bien aligné. C'est bon. On a bien un alignement. Et maintenant, on va mettre les pictos dans notre partie. On connaît maintenant le principe de icône 8. Donc, ça va assez vite. On aura par exemple ici des prix. On va voir ce qu'il nous propose en regardant les icônes qu'il y a dans les prix. Et donc là, bah, je vais pouvoir dire que je veux par exemple une première icône qui serait celle-ci, que je viendrai placer dans mon petit cercle. Voilà, je le place dedans. Le cercle en question, on va maintenant donc le dupliquer, ou plutôt le sélectionner, hein, c'est celui-ci. On va lui mettre une couleur, on verra ça après. Dans le deuxième, je vais prendre le prix qui est là. Pour l'instant, je les fais juste apparaître et on les placera après. Et le dernier, ce sera par exemple, je sais pas, une étiquette, ça peut être intéressant. On va prendre la double étiquette ici, on les utilisera après. Et les fonds, et ben tout simplement, on va prendre le même vert qu'on avait, pas vert d'ailleurs, le même bleu qu'on avait utilisé un peu plus tôt. C'est pas celui-ci, je vais reprendre la pipette. Voilà, il me convient mieux. Pareil ici, je sélectionne. Un petit coup de pipette si jamais c'est pas le bon. Et là, pareil, un petit coup de pipette, ça va plus vite. Et comme ça, j'ai mes éléments. Et puis ben, maintenant, je peux venir les placer dans ma zone ici. On peut bien sûr prendre comme outil la possibilité de sélectionner. En fait, bien placer vos différents éléments dedans. Je sélectionne, je demande à ce que ce soit centré. Ici, on vérifie que c'est centré également. Donc là, hop, je centre. Celui-ci qui est au-dessus, je le place également dans le groupe. On vient réduire sa taille, Alt et Shift en même temps. On le place au centre, on vérifie la taille et ensuite on centre le tout. Et donc là, j'ai donc par exemple la première partie de mon dashboard. On pourrait avoir, comme je disais, hein, d'autres informations. Là, comme on va rester que sur celle-ci, ben on va tout simplement descendre les informations pour avoir quelque chose qui soit un peu plus centré. Et puis, on va pouvoir venir également sélectionner tout ce qui est à l'intérieur de notre élément. Donc en l'occurrence, ici, ces informations. Voilà, si je clique à côté, ça marche moins bien. Voilà. On va sélectionner également tout ce qui est ici. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Parce que comme on n'a pas autant d'informations que ce que j'aimerais, eh bien, je vais juste venir centrer le tout. Donc là, ça me paraît un peu mieux. Et puis bah, ensuite, on va pouvoir venir juste sélectionner à chaque fois une partie du dashboard. Là, on va dégrouper. D'un seul clic, on va faire ici un groupe. Ça permettra de pouvoir venir sélectionner plus facilement chacun ou chacune des étiquettes. Et donc là, comme ça, on a bien nos trois étiquettes et elles-mêmes, je vais les mettre dans un groupe qui sera donc pris. Pour l'autre d'en dessous, qui est celui-ci, on va venir reprendre une technique qu'on a vue un petit peu plus tôt. C'est tout simplement celle qui permet de créer des diagrammes. On va faire apparaître trois diagrammes. Pour ça, on va commencer par déjà venir prendre ici donc le nom de notre dashboard. Donc là, pareil, hein, comme on a vu tout à l'heure dans Wireframe. Je vais avoir en fait tout à l'heure un groupe qui va être ici et dans mon autre wireframe un groupe qui va être là sur lequel on va travailler. Et celui-ci, je peux le rendre invisible, vous voyez qu'il n'y a plus rien dedans. Et on va avoir donc notre groupe qui va être ici, diagramme, qu'on va retravailler. Et celui-ci qui sera, je sais pas comment on va l'appeler, courbe. Je pense que courbe, ça correspond pas mal. Et on verra ça après. Là, on va revenir sur diagramme. Nous, pour l'instant, on a bien nos deux rectangles. On va venir sur chacun d'entre eux, eh bien, reprendre ici la partie filtre recherche. Donc, je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V, tout simplement parce que ça va être le titre à chaque fois. Donc, on va le mettre ici. On va venir en placer un deuxième.
on les renommera par la suite. Ici, je vais faire un contrôle C, et tant que j'y suis, je vais directement venir sur courbe pour venir mettre, eh bien, tout simplement, encore une fois, mon texte qui apparaîtra. Donc là, en termes de distance, on va vérifier qu'on a bien la même chose. Donc là, on va sélectionner les deux, on aligne. Ici, on va pas forcément pouvoir venir aligner de la même façon, mais on va essayer de voir entre les deux pour qu'il y ait autant de distance. Donc là, on va y aller normalement au pixel près, hein, c'est à vous de venir placer les éléments comme vous le souhaitez. Je vous rappelle la petite technique, soit en faisant une ligne, soit en faisant un petit carré. Donc là, j'ai mon carré qui me sert de référence. Je le colle au bord. Ici, je viens coller mon texte dessus. Ensuite, on désélectionne, on reprend notre carré, on vérifie. Et là, pareil, je le décale légèrement. Et ainsi, on a un placement qui est parfait. On va les noter direct. Donc là, ça sera diagramme 1. Oui, je suis pas très inspiré. Ici, ça sera diagramme 2. On va appeler ici total revenu. Et ici, ça sera statistique. Voilà. Et comme ça, on aura les différents titres qui seront présents. On peut bien sûr venir, s'il faut, par moment, eh bien, coller aussi des sous-titres. Donc là, on pourrait très bien avoir un sous-titre qui explique ce diagramme. Et puis, on pourrait avoir aussi les données qui nous serviront par la suite à présenter les différentes parties. Là, on va mettre en place nos diagrammes. Ça, maintenant, vous connaissez le principe, c'est assez simple. Je vais faire un petit cercle. Cercle que on peut venir ici, donc, ouvrir, comme ceci. Je le referme, mais au moins maintenant, il est ouvert. Ça sera mon diagramme de base. On peut venir en faire 2, 3, 4. Nous, on va en faire 2. Donc, on va venir les mettre dans notre interface, ici. S'il y a besoin, à tout moment, on peut les sélectionner tous les deux et on peut venir les agrandir. Vous avez ici donc le pourcentage d'ouverture. Voilà. On va en faire un qui sera en rouge, ici. On va le prendre ici, par exemple, de cette couleur. Le suivant, lui, sera en vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la même couleur qu'à côté pour avoir exactement le même emplacement, sauf qu'on va le faire en vert. Et puis ensuite, eh ben, ces deux éléments, je vais les dupliquer. Contrôle D, vous connaissez le principe. Pourquoi? Tout simplement parce que on va les sélectionner tous les deux. Celui-ci, on va le mettre un peu plus foncé ici. Celui-ci, on va le mettre un peu plus foncé ici. Et on va tout simplement, eh bien, venir ouvrir. Donc là, je peux venir ouvrir mon diagramme et ça me permettra de voir ce qui est pris en compte ou non. Et on peut venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on peut l'ouvrir dans un sens ou dans l'autre. Et ça permet d'avoir le niveau d'avancée. On va pouvoir noter à l'intérieur les données chiffrées. Donc là, par exemple, ça serait 80% à peu près. Donc ici, on écrit 80%. On sélectionne. On va pas être ici en texte P. On va se mettre en bold. On va venir également le mettre un peu plus grand, parce qu'il doit être centré dans notre élément. Et on va venir mettre de l'autre côté. Là, on ne va pas être à 80. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est un peu plus petit. On va être à peu près, voilà, à 25. Bon, ce n'est pas exactement les vrais chiffres, hein, ça serait automatisé, mais là, c'est pour qu'on ait une idée des choses. Et puis, bien sûr, en dessous, on va venir mettre deux petits textes qui vont être ici les informations complémentaires. Donc on va reprendre ce texte-là. Je viens le caler en dessous. Je ne mets pas forcément les vrais textes, je vous laisserai mettre les textes que vous souhaitez. Mais de cette façon, on a notre diagramme. Et puis bah, bien sûr, on peut encore une fois venir sélectionner tout ce qui est à l'intérieur du diagramme. Et on groupe le tout avec un CTRL-G. Et comme ça, on a notre diagramme qui est plutôt pas mal. Je vois que j'ai mes deux textes ici qui ne se sont pas mis dedans. On va les rajouter. On a également ici la partie diagramme 1 qui ne s'est pas mise. Je l'ajoute. Et ainsi, j'ai mon premier espacement, ma première interface. On peut maintenant faire le diagramme numéro 2. Donc là, pour le diagramme numéro 2, plusieurs possibilités. Ici, je vais venir tout simplement faire un diagramme que l'on veut avec une ligne. Donc là, imaginons que voilà, vous avez un diagramme comme ceci, avec différentes courbes, différentes informations, des éléments qui remontent, qui redescendent, des petites bosses. Voilà, comme si on avait un total de ventes plus ou moins important. Et puis, on va par la suite
venir tout simplement, une fois qu'il est finalisé, appuyer sur Entrée. Quand on a celui-ci, on va lui donner une couleur. On va partir sur du bleu. Voilà, le bleu me plaît bien. Un bleu un peu foncé, un peu plus tirant justement vers le bleu. Et on va l'augmenter un petit peu. Donc peut-être pas à 5, 5 c'est un peu beaucoup. On va se mettre à 2. Voilà, ça me plaît bien. En arrondi, ici. Et puis, je vais le dupliquer. CTRL D. Et pourquoi je l'ai dupliqué? Tout simplement parce que... Alors là, il s'est mal dupliqué. Ce que je veux, c'est vraiment la forme qui soit dupliquée. Donc, CTRL D de ma forme. Celle du dessous, je vais enlever le contour. Par contre, je vais lui mettre un fond. Un fond qui permettra, si on le souhaite, de pouvoir avoir de la couleur qui permettra d'avoir tout simplement un élément visible. Si ça ne fonctionne pas, eh bien on va venir le tracer à la main. Comment faire? Eh bien je reprends ici ma plume, je double-clique sur mon vecteur 2. Donc là, je vais venir zoomer. Je viens cliquer avec mon outil de sélection sur le vecteur 2. On va venir prendre notre plume et en fait on va finir le tracé. Donc là, on va aller jusqu'ici et on va le finir. Alors là, vous allez me dire, oui, mais du coup, pourquoi faire? Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que là, maintenant, je vais enlever le fond et je peux mettre un file. J'ai toujours mon vecteur 1 qui est ici, qui du coup, lui, était une erreur que j'avais fait juste avant. On a dit que c'était 2. On a dit que c'était en bleu. Voilà. Donc on va prendre ce bleu. Et pour le fond qui est ici, on va venir mettre un dégradé. Dégradé qui va partir du bleu en haut, donc là d'avoir quelque chose d'un peu bleuté, vers quelque chose de transparent vers le bas, mais qui tirera lui-même vers le bleu. De façon à avoir eh bien, un dégradé de couleur qui se met en place, sur lequel on va pouvoir venir jouer, qu'on va pouvoir venir mettre plus ou moins grand, et qui va permettre ainsi de venir, comme vous le voyez, créer un petit effet graphique. Et donc on a notre graphique qui se met en place. Alors là, j'ai fait un graphique assez moche, hein. On pourrait avoir un graphique beaucoup plus personnalisé, mais vous comprenez, je pense, le principe, et je vous laisserai bien sûr revenir dessus. On pourrait bien sûr également avoir une petite information ici. Ça serait un fond qui serait encore une fois en bleu. On va reprendre ici un bleu un peu foncé, et puis on peut lui ajouter lui-même un petit contour qu'on va mettre en blanc, donc là un peu plus fort. On l'agrandit un petit peu, ça permet de créer un petit effet graphique. Ça permettra de voir exactement où on se place. Et bien sûr, ce qu'on peut rajouter également, c'est que sous chacun des pics que l'on a de présent, eh bien, on peut venir rajouter une donnée. Par exemple, ça serait ici, je ne sais pas, janvier. Donc là, je sélectionne mon texte. On le sort, on va le mettre dans l'autre diagramme, ici. Et donc lui, il serait janvier. Alors peut-être juste en tout petit. Voilà. Après, ici... On aurait un autre pic qui serait à février. Alors faites attention, vous pouvez bloquer si vous le voulez les vectoriels pour être sûr que quand vous double-cliquez, ça ne les sélectionne pas. Et donc là, on aurait février. On pourra aller plus loin. Ici, on aurait mars. Et ça permet de voir le gap entre les deux. Et surtout d'avoir une échelle entre chacun de nos éléments. Là, on aurait avril. Voilà. Et puis après, on aurait donc ici le mois de mai, etc. Et donc vous avez votre élément qui se met en place. Maintenant, imaginons que vous voulez aussi télécharger votre diagramme, et ben on peut créer un petit bouton. Pour ça, vous prenez votre rectangle, on vient ici créer un outil rectangle avec 5 d'arrondi, on met pas de fond, un petit contour. Pour la couleur du contour, on reprend encore une fois notre bleu qui est ici. Et puis on aura ainsi la possibilité d'avoir un bouton qui permettra de venir télécharger. Donc là, en termes de taille, je vais le passer à 2. Il me plaît bien. Une fois que c'est fait, et ben je vais juste écrire dedans download ou télécharger. On sait que ça sera donc ici qu'on pourra bien télécharger. D'ailleurs, je ne vais pas l'écrire en majuscule, juste la première lettre. On va aussi le mettre dans le même bleu que ce qu'on a utilisé juste avant. Donc encore une fois, je profite de ma petite pipette. Je pourrais le mettre dans document de color et retrouver, mais j'avoue que comme je ne les ai pas bien classés, c'est un peu plus long. On aligne les deux. Voilà. On sélectionne et on fait un groupe avec CTRL G. Ici, je peux aussi sélectionner tous mes éléments, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On n'oublie pas de décocher les petits cadenas pour tout sélectionner. Et on fait un CTRL G.
Et ici, on a donc notre deuxième élément. Et avec ça, vous voyez qu'on a bien avancé sur notre dashboard. Et on va avoir la troisième partie à faire. Et on voit ça dans la prochaine vidéo, parce que celle-ci commence à être un petit peu longue. Donc ça vous permettra de faire une petite pause. On attaque donc la dernière partie de cette première interface dans la prochaine vidéo. Pour finir, nous allons nous attaquer donc ici à notre dernier graphique. Pour faire simple, on va venir tout simplement ici faire un diagramme en bâton. Vous allez voir, ça va être assez rapide, hein. Mais surtout, on va voir que le diagramme ne sera pas entier, on aura des options pour le finaliser. Et surtout, on va reprendre des choses qu'on a déjà vues. Par exemple, ici, on va pouvoir reprendre notre bouton, qui sera un bouton de téléchargement qu'on pourra réutiliser. Et donc là, vous voyez, je vais venir le replacer à peu près de la même façon. Et en termes de barre, de graphique, eh bien, on va pouvoir venir le placer ailleurs. Là, je vais juste venir fermer ici mes éléments de diagramme que j'ai oublié de grouper dans la partie précédente. Et puis, dans la partie courbe, ici, on va tout simplement donc venir placer maintenant notre groupe de téléchargement. Ainsi, on a donc nos différentes parties qui sont toujours un peu mieux rangées. Dans la partie donc qui est maintenant ici, je vais également pouvoir venir rajouter une autre type de comment appelons ça de légende. Ça va être tout simplement ce qui va correspondre à notre courbe. En termes de couleurs, on va reprendre un peu l'idée de ce qu'on avait au-dessus. Donc on avait ce point ici et on en a un autre à côté qui sera cette fois lui en vert pour avoir quelque chose qui corresponde à ce qu'on a déjà vu un peu plus tôt. On va zoomer de façon à pouvoir venir réduire la taille ici à 11 et 11, pour que ce ne soit pas forcément trop gros. Et puis on va reprendre encore une fois les mêmes textes hein, pour gagner du temps. Donc là je fais un CTRL-C, je me mets dans le bloc, CTRL-V. Et donc là on aura par exemple pris, on pourra avoir par exemple TTC. Et ici, hop, on va avoir à côté prix TTC. On va mettre prix. Et à côté, on aurait par exemple les ventes. Donc là je duplique, on met ventes. On n'oublie pas de vérifier que l'espacement est bien le même. Donc ce que je fais, c'est que je suis bien à 10 ici. Et ici, je suis à... Maintenant, je suis à 10 également. Donc là, j'ai mes prix, j'ai mon échelle. Je sais comment je vais pouvoir venir travailler. Je groupe, encore une fois, toujours dans l'optique de pouvoir gagner du temps par la suite. Donc là, j'ai mes éléments. On les remet dans courbe aussi, hein, pour que ce soit bien centré. Et on a l'outil d'alignement, qui est plutôt pas mal comme ça. On remonte un peu. Et ici, pareil, on va vérifier que l'alignement est plutôt pas mal, ça nous paraît plutôt bien. On peut venir sélectionner même l'intégralité de tous les groupes pour que tout soit aligné exactement comme il faut. Et là, maintenant, on est bon. Pour la partie qui est sur cette ici, ça va être relativement simple. Vous voyez, je vais juste venir reprendre ici, par simplicité et gain de temps, les informations qu'on avait un petit peu plus tôt. On va venir les mettre ici, ça sera des chiffres, par exemple ça sera 50. Et puis en descendant, ici on peut avoir 40. Et puis bien sûr, une fois que j'ai relâché, on peut faire un CTRL-D qui va nous permettre de dupliquer. CTRL-D, donc là on a 40, 30, 20, 10, 0. Et donc là, on renomme à chaque fois, tout est à égale distance, 20, 10, et là on a 0. Donc tous nos éléments maintenant sont en place. On peut venir, si on veut vraiment styliser notre partie graphique, c'est-à-dire que pour ça, eh bien, je peux venir tirer des petites lignes. Ces petites lignes qui vont tout simplement être mises ici en mode dash, qu'on va venir mettre en gris. Vous connaissez le gris qu'on utilise. Et puis pareil, je vais venir cette ligne la dupliquer. CTRL-D pour l'avoir à chaque fois. Donc là je vois que je l'ai mal placé, donc on va venir la recentrer sur chacun des chiffres, histoire que ça soit un peu mieux. Et puis comme ça on va pouvoir venir placer notre graphique par la suite. Donc pour ça on va juste venir prendre des rectangles, et puis on aura par exemple un mois où sera atteint la donnée souhaitée, c'est à dire ici par exemple on sera dans le vert, le mois suivant on sera un peu en dessous, on va être ici dans le rouge, etc, etc. Donc là on va pouvoir venir définir notre graphique comme on le souhaite pour avoir quelque chose d'adapté. Ce que vous pouvez faire bien sûr, et c'est recommandé, hein, c'est de venir toujours ici faire une distribution horizontale pour que tout soit à égale distance. On peut même venir ici mettre toutes les barres d'un seul coup, et puis après on va venir les adapter suivant les besoins. Donc c'est-à-dire que bah, certains mois vont peut-être être plus hauts que d'autres,
d'autres vont être à peu près identiques, d'autres vont peut-être être plus petits, etc., etc. Donc là, encore une fois, on est sur une présentation qui n'est pas dynamique. L'idée, c'est juste de montrer les rendus des choses par rapport à ce qu'on attend, parce que les vrais chiffres, de toute façon, seront modifiés dynamiquement sur le vrai projet à la fin. Mais là, vous voyez que comme ça, on a déjà donc notre petite barre qui est en place avec les différents mois. Je vérifie qu'on en a bien fait 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ben, on n'aura pas le mois de décembre. Tant pis. Non, plus sérieusement, on pourrait juste venir tout simplement recoller ici un élément. On va mettre ici à 6. Et puis, je vais sélectionner l'intégralité des barres pour venir les mettre à égale distance les unes des autres. Et comme ça, on aura bien nos 12 mois. Comme si on avait fait une année complète. On distribue. Alors, pas comme ça. Dans l'autre sens, c'est mieux. Et donc là, automatiquement, tout est à égale distance. Comme d'habitude, on vérifie. Je vois que là, tous mes rectangles ne se sont pas mis dans le bon groupe. C'est pas grave. Maintenant, c'est chose faite. Je vais pouvoir venir sélectionner l'intégralité de mon groupe. On va pas oublier de venir, bien sûr, désélectionner ceux que l'on ne veut pas placer. Et donc là, on a tout ce qu'il faut. On a celui-ci et le bon groupe, c'est celui-là. Alors forcément, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Donc c'est ça et tout ce qui va être dedans. Et on rajoute ce groupe-là. CTRL G. Et donc là, si je le cache, j'ai bien tout dedans. Et puis bon, on va avoir maintenant notre dernier graphique. Pareil, là, je vais gagner du temps. Plutôt que de devoir refaire les mêmes chiffres encore et encore, je vais juste reprendre ces données-là. Je me mets dans l'autre groupe. Donc ici. Je fais un CTRL V, j'ai mes données qui sont mises en place, et puis bah là au lieu d'avoir des barres qui vont être verticales, on va faire horizontales, on va simplement faire des barres qui vont être verticales. Et ainsi, et bah, je vais avoir par exemple une première barre ici, on va décaler, et puis on va juste à venir après faire encore une fois des CTRL D jusqu'au bout. Bien sûr, si on en a fait un peu trop, petit CTRL Z, et on a ainsi toutes nos barres qui vont pouvoir s'afficher. Si jamais on a besoin, on peut venir demander à ce que les barres soient un peu moins opacifiées. Vous allez voir qu'ici, je vais sélectionner l'intégralité de ce que j'ai fait. Donc là, comme ça, on sélectionne toutes nos barres. Elles sont ici. On sélectionne tout. Alors là, on a sélectionné même un peu trop, forcément. Ce qui m'intéresse, et on a le petit logo qui est ici qui peut nous être utile. On va ne sélectionner que celle-ci. Et on peut baisser un petit peu l'opacité. Donc là, par exemple, je peux les mettre à 50 pour baisser le tout. Je vais faire un CTRL G, comme ça elles sont déjà ensemble. Et surtout, je vais les mettre au-dessus de mon autre rectangle, qui est celui sur lequel je suis en train de travailler. De cette façon, j'ai mes différents éléments ici, hein, qui concernent ce bloc. Et puis, bah, encore une fois, plusieurs possibilités. Soit on peut prendre le pinceau, soit on vient le tracer à la main. Et là, je peux venir dire que j'ai, par exemple, eh bien voilà, une courbe qui va commencer ici. Qui va descendre, qui va remonter de l'autre côté, etc., etc. Et bien sûr, ces courbes, elles vont pouvoir être, on va dire, enchevêtrées, tout simplement parce qu'elles vont correspondre aux différents besoins que l'on va avoir. Donc là, je pourrais très bien avoir une courbe qui va remonter, ou au contraire, qui va être descendante, etc. Donc là, je la fais un petit peu à l'arrache, pour que vous ayez le concept et que vous compreniez où je veux en venir. Et qu'on ait bien ici notre courbe qui soit fonctionnelle. Alors bien sûr, on peut venir appuyer sur CTRL hein, pour venir modifier le tout. Et sinon, vous avez un outil que vous avez déjà vu maintenant, hein, qui est l'outil de Blend, qui permet aussi de pouvoir venir retravailler vos courbes. Par exemple, ici, on pourrait avoir une chute. Et ainsi, on va aller jusqu'au bout. On va avoir ici une chute vertigineuse, quelque chose qui remonte automatiquement, comme si on avait eu ici, hop, un regain. Et puis après, on pourrait très bien avoir quelque chose qui se veut un peu plus plat. Et puis ensuite, voilà, quelque chose qui devient ici à plat. On appuie sur Entrée. Cette courbe, en termes de couleur, eh ben, on va venir prendre ici la courbe des prix. On a donc notre contour. On peut venir l'agrandir un petit peu. On peut le mettre à 2. Ça me paraît pas mal. On peut venir encore une fois l'arrondir. Je suis toujours plutôt fan du côté arrondi. Et puis à côté, je pourrais très bien avoir une autre courbe qui serait elle la courbe des ventes. Et donc on aurait ici quelque chose qui serait au contraire ici très très bas. Puis d'un seul coup qui monterait énormément, qui descendrait. Voilà, avec très peu de ventes pendant quelques mois.
et puis ici qui remonterait, qui stagnerait pendant quelques temps, qui repartirait. Bref, une courbe un peu plus droite en termes de vente qui permettrait de voir que même si on a un chiffre d'affaires qui est plus haut, et bien en fait il y a des moments où on vend des produits qui sont extrêmement chers, à d'autres moments où on va vendre des produits qui ne le sont pas suffisamment, etc. Et donc là, on a notre courbe. Cette fois, cette courbe, on va la passer en vert. Et comme ça, on a les deux qui se superposent. Donc ça peut être notre deuxième partie. À vous d'ajouter bien sûr des options supplémentaires par la suite. Vous aurez compris, je pense, le principe. Bien sûr, elles seront générées dynamiquement en PHP quand on viendra faire le développement ou avec un autre langage. Mais en tout cas, ici, vous avez comme ça l'idée et votre premier projet qui est disponible et que vous pouvez maintenant déplacer. On va pouvoir passer au prochain projet qui sera un petit peu plus rapide. On va passer sur une page d'accueil de site de voyage. À tout de suite dans le prochain projet.